Alors, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai fait un cours sur la mise en scène à mes agents pour pouvoir rendre justice à Man of Steel. Mais je croyais que votre organisation devait parler de mauvais films, non? C'est une bonne question. Mais tu ne peux pas te concentrer que sur ce qui est mauvais. Quand quelque chose est bien, il faut l'encourager. Et quand quelque chose est mauvais, il faut le lui dire pour qu'il s'améliore. Mais comment on lui dit que c'est mauvais? Ça, c'est ce qu'il te faudra découvrir. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que mes agents ne sont pas ou plus prêts à recevoir ce film, un peu comme les spectateurs de 2013 à la sortie de Man of Steel. Ce film serait sorti un peu plus tôt, il aurait été bien apprécié, je pense. Parce que sortir un film sombre et sérieux, un an après le fun et coloré chef-d'œuvre signé Marvel, c'était une mauvaise idée. C'est intéressant ce que vous me dites là, mais il faut bien reconnaître que Man of Steel c'est juste Dark Knight mais avec Superman. En fait, j'ai vu là Man of Steel. En fait, c'est juste Dark Knight mais avec Superman. Mais non, mais attendez, monsieur, en fait, c'est parce qu'il y a deux logiques à pourquoi c'est sombre. D'abord pour le. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Non. Non, attends, désolé, je suis pas là. Tu es là, tu t'en rends. Attendez, monsieur. Attendez, je vais vous expliquer. Ne partez pas! Ne partez pas! Bon, je n'en ai pas l'intention. Plus je vous écoute, plus je gagne de l'argent, donc. Il y a deux logiques pour expliquer le style dark. Le marketing, forcément, pour surfer sur le succès de Dark Knight, même si l'engouement avait un peu disparu après le chef-d'œuvre de 2012 signé Joss Whedon. Warner et DC savent engager des gens talentueux, mais en ce qui concerne le marketing, ils sont pas très talentueux. Ils ont toujours un train de retard sur Marvel, à un point où ils veulent un Justice League au bout du troisième film, en saccageant l'original et en engageant Joss Whedon, reproduisant l'erreur de Superman 2. Wow! Vous m'ôtez les mots de la bouche. Mais attendez, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Laissez tomber. Sinon, le deuxième truc de pourquoi c'est sombre, c'est quoi? Bah, le truc qui est un petit peu essentiel, le thème et le message du film. C'est-à-dire? Tout le truc du film, c'est que Clark a été envoyé ici pour aider l'humanité, pour leur donner un idéal à atteindre. Et son dilemme est de savoir si l'humanité est prête à accueillir Superman. Son père adoptif, lui, pense que l'humanité n'est pas prête et que Clark ne doit pas utiliser ses pouvoirs. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Laisser mourir des gens? Peut-être. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jonathan se sacrifie et que Clark ne le sauve pas. S'il décide que Clark ne doit pas utiliser ses pouvoirs laissant mourir des gens, il doit aussi accepter de mourir pour protéger son fils des conséquences que ça aurait de révéler les pouvoirs de Clark au monde. Et tout ça dans une scène magnifique, mais très bancale, car pour le chien, sérieux, remplace le chien par un enfant et ça renforce la scène qui fait que Jonathan est un véritable sauveur qui inspire son fils, qui fera comme lui. Et aussi, il est censé s'envoler là. Mais bon, logique de comics, j'y reviendrai plus tard. Mais du coup, Jonathan sait que ce monde n'est pas prêt à accueillir Superman. Et comme on suit le point de vue de Clark, qui n'a rien à faire ici, tout lui paraît un peu hostile et froid, représenté par des couleurs sombres. Ok, c'est tout? Non, on peut aussi y voir une symbolique sur le fait que ce monde est sombre, au contraire de Superman, qui est rouge et bleu, des couleurs vives, montrant qu'il est le seul à pouvoir redonner des couleurs à ce monde, à pouvoir être un guide pour l'humanité. Ah, mais du coup, c'est aussi une bonne façon de réinventer Superman. Mais plus que ça, le film, en général, est une bonne façon de réinventer Superman. Les flashbacks. 0017, tu n'es pas venu à la mission. Ouais. Tu as mis en péril la mission. J'ai mieux à faire. Ah ouais? Comme quoi?
Toi et les autres êtes allés taper sur un film, alors vous n'y connaissez rien au cinéma. Je fais donc des recherches sur le sujet, et j'en suis actuellement au concept des flashbacks. Tu racontes n'importe quoi. Le Big Boss va te bannir pour ton hérésie. Non. Les flashbacks. Pour moi, c'est du génie. Vous n'êtes pas sérieux? Qu'est-ce qu'un flashback? Quel est son rôle? C'est un retour dans le temps? C'est un procédé narratif qui introduit une action ou un événement qui s'est passé avant le présent du film. Et donc? Les flashbacks arrivent au début du film lorsque Clark se cherche lui-même. Donc, il va aller voir dans son passé. Ouais, bof, pas trop convaincu. Attendez, c'est pas fini. Lois Lane se lance dans une enquête concernant Clark. Elle va voir des personnes précises qui vont lui raconter des choses sur le passé de Clark. Donc, comme Lois Lane, nous découvrons Clark, sauf que plutôt qu'écouter une histoire, on la voit, on raconte l'histoire visuellement. Tiens, comme le concept du cinéma. Ouais. Bon, je vois bien que vous n'êtes pas convaincu, je vais vous dire un dernier truc à ce sujet. Man of Steel est un reboot, donc il se doit de raconter l'histoire. Et il le fait avec des flashbacks, ce qui est totalement nouveau et inédit. Oui, enfin bon, tout le monde la connaît, l'histoire de Superman. On aurait pu s'en passer. Non, moi à l'époque je connaissais pas l'histoire de Superman, le personnage oui, mais son histoire non. Dans quelle décennie vous avez grandi? Fin année 2000, début 2010. Mais c'est pas la question. Quand on raconte une histoire, on la raconte du début à la fin. On compte pas sur le fait que tout le monde la connaisse. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'action? Des combats? Ils ne comprennent rien au film. Pourquoi le boss n'intervient pas? Il intervient plus. Il n'a plus aucun pouvoir. Il est devenu trop faible. C'est pour ça qu'il reste terré? Ouais. Mais ce qui me dégoûte le plus, c'est que 009 se comporte comme s'il était le nouveau chef. Il donne des ordres à tout le monde et il supplie le boss de partir en mission. Mais il n'est pas en état, c'est pour le tuer. Ouais, je sais. Et 009 le sait aussi. Dites, que pensez-vous de la caméra tremblante et de la destruction de masse? Je pense que tout ça est volontaire, que c'est une intention de mise en scène. Nous, humains, avons du mal à discerner ce combat de titans, à le comprendre. Donc, nous tremblons devant une telle puissance. C'est pour ça, la caméra tremblante! Et la destruction, du coup? Déjà, pour le spectacle, genre, waouh, c'est beau! Et puis, ce sont des éléphants dans un magasin de porcelaine. Évidemment qu'ils vont détruire la ville, c'est inévitable! Et en plus, ça prépare Batman v Superman. Ah, je sens que vous voulez me parler de Batman v Superman! Non. J'en ai fini avec vous. C'est-à-dire? Vous parler m'a fait le plus grand bien. Je vous en remercie. C'est à présent ce que j'ai à faire. Non, vous ne pouvez pas partir, vous êtes trop instable. Non, ne vous engagez pas sur cette voie. Faites comme Superman, choisissez le bien. À mon grand regret, je ne suis pas Superman. Ah, chef, vous revoilà! Tout est préparé, on est prêt pour Man of Steel. On va défoncer ce film. Non. Quoi? Les seuls véritables petits problèmes sont les quelques incohérences et la façon de traiter Superman. Comment ça? Snyder voit en Superman un dieu. Malgré nous avoir bien présenté le personnage, il n'est pas développé. On ne connaît rien de sa personnalité, si ce n'est la quête pour savoir d'où il vient. Et cette façon de le représenter comme dieu passe par la mise en scène de Snyder qui iconise énormément le personnage. Ce qui amène à un détachement, et c'est ça pour moi la vraie faiblesse de ce film. Et les incohérences alors? Tout qui s'envole sauf Lois Lane? Jonathan qui reste statique en pleine tempête? Certes, ces petits détails sont troublants, mais ils n'enlèvent rien à la beauté du film. Le réinventement de Superman et ses pouvoirs, les thématiques, etc, etc. Non, là vous allez trop loin! Je vous ai suivi parce que je pensais que vous aurez le cran de détruire les films qu'ils méritent. Mais en fait vous êtes faible. 009 avait peut-être raison après tout. Ça suffit!
C'est la guerre! Non, arrêtez! Toi, arrête! Ce film est mauvais, tu ne peux pas le nier! Dis-le! Dis-le où j'explose la tête du petit! Non, non, fais pas ça!